Sans la vocation, pas de profession qui plaise. Marie-Mathe le sait et sa pitié met à l'aise. Celle de Vénus ou bien d'Uranus, que l'aise. Le ton de leur teint qui donne un certain malaise. Marie-Mathe, esthéticienne, satisfait aussi les vœux des pauvres martiens, que peine leurs trois yeux. Le bruit de son nom a franchi les monts et sonne jusque chez les grands, qui pour son talent lui donne l'ingrate mission de prendre un fiston qui étonne sa trompe sans fin sur qui les coquins fredonnent. Marie-Mathe sait comment triche et pour la dissimuler fait apporter un postiche ondulé. Alors le fiston, amoureux de son ami, ne peut la quitter sans mettre en danger sa vie. Sous son toit, Marie-Mathe se voit nantie avec le fiston de décoration fleurie. Mais une vraie péronnelle met l'animal en tutelle. Voici qu'un concours va changer le cours des choses. Et Marie-Mathe bientôt invente un château grandiose. Chacun des détours du divin séjour propose autant de langueur qu'un bouquet de fleurs éclose. Marie-Mathe a su se faire architecte visionnaire. Près du bain s'étend la volière au sang plumage. De l'autre côté, la chambre à rêver partage les salons d'amis pourvus de petits orages où de fins robots distribuent des lots d'images. Dessiner le plan d'un songe, c'est déjà réalisé. Marie-Mathe alors s'y plonge sans tarder. Marie-Mathe obtient chien-ficelle ou bien bobine, carcafouille d'or et couleuvre encore mutine. Mais ses favoris, péronnelle qui se mine et fiston gamin au geste câlin, la ruine. La
Arimat alors abdique et fonde une société pour animaux galactiques. Esselée.